Bonjour, je m'appelle Guillaume Molaison, je suis président et directeur général du Chic Shack, cofondateur avec ma conjointe Héloïse Bourdon. Alors, on est à Murdochville, en plein centre de la Gaspésie. Murdochville, c'est une ancienne ville minière. Et à l'origine, elle avait la station de ski du Mont-Mélor qui est derrière nous. Et puis, nous avons annexé au centre de ski Mont-Mélor, dans le fond, l'offre du produit du Mont-Porphyre et du Mont-York pour pouvoir faire la transition vers les Chic-Chocs. Alors, pour faire le lien entre les Chic-Chocs et le Mont-Mélor, nous, ce qu'on a pensé faire, c'est d'abord de concevoir des sous-bois dans lesquels on allait pouvoir faire de la peau de phoque pour inciter les gens à venir être hébergés sur Murdochville et profiter des Chic-Chocs et de la station de ski. Alors, le premier projet qu'on a développé, nous, ça se trouve être le Mont-Porphyre. On s'est rendu compte que ce versant-là faisait dos au vent dominant. Donc, qu'il y avait des beaux avantages, puis il y a déjà des chemins d'accès sur la montagne, fait que ça a accéléré beaucoup le processus, puis ça a donné des très bons résultats. Ensuite de ça, on va faire évidemment le 4 ski. On a 3 machines, donc un maximum de 36 personnes par jour sur 3 montagnes. Et puis, on offre aussi l'héliski, donc le ski en hélicoptère, que ça fait déjà 5 ans qu'on offre sur nos montagnes. Le Mont-Porphyre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la montagne qui nous offre le plus beau point de vue sur la ville. Donc, c'est vraiment un pic dénudé d'arbres avec une crête. On a un bon sentiment d'être dans l'alpin. Quand on est au sommet, on va vraiment ressentir le vent. Et puis, on a un point de vue là, très loin. On peut voir jusque les monts Chic-Chocs au loin. On va avoir une superbe vue aussi sur tous les résidus de la mine. Donc, c'est un paysage très dramatique. Puis c'est vraiment la particularité, je pense, de Murdochville. OK, prochaine shot, on va la faire avec le drone. Donc, on regardait pas le drone, on regardait pas dans les airs et faites comme si de rien n'était. Alors, drop in dans 5. Je m'appelle Dominique Côté, je suis assistant guide ici, communément appelé un « tail guide », et je suis reconnu pour ma chevelure bouclée et mon enthousiasme exagéré. Alors, ce qui m'a amené ici, c'est vraiment les montagnes, le plein air, toute l'énergie qu'il y a avec ça, une belle communauté de skieurs et d'amateurs de hors-piste, de ski hors-piste. Puis moi, j'ai voyagé beaucoup dans l'Ouest canadien étant plus jeune, et on dirait que je retrouve en Gaspésie le gros terrain skiable qu'il y a dans l'Ouest, mais on est capable de skier ça ici.
La communauté est tissée très serrée ici et c'est tissé avec les montagnes. On a tous un intérêt commun qui est le plein air en général, mais surtout la montagne. L'été, c'est la randonnée. L'hiver, c'est le ski, le snowboard. Surtout à Murdochville, on dirait, t'sais, c'est vrai que c'est petit comme village, mais on se réchauffe le cœur ensemble. Mais faut dire qu'on a un très beau travail. On travaille avec une clientèle qui a toujours un... Ouais, je dis toujours, un sourire au visage, du matin au soir. Donc, c'est facile pour nous d'être très heureux dans notre travail.